Athéna, tu as retrouvé ta verve critique. Dis-nous ce que tu penses de ta lutte contre Arès pendant la guerre de Troie. Qui aurait-il à dire? Je l'ai battu. Je l'ai même torché, comme on dit. Arès dirait que le combat était loin d'être équilibré. C'est vrai. Pour qu'il le soit, il faudrait me retransformer en petite fille. Waouh. Bienvenue. Continue notre aventure. Mais avant, j'ai débloqué, avec les points là qu'on gagne, j'ai débloqué une nouvelle coupe de cheveux. C'est pas ça. Comment on fait? Faut aller la récupérer peut-être. Comment on avait fait la dernière fois? Non, c'est pas ça. Attendez. C'était magasin, je crois. Les cadeaux. Ça. Ouais, voilà, ça. Voilà. Boucle de Mystios. Parce que vu que on avance dans le jeu tout ça, on gagne des points. Je suis pourquoi pas. Et vu que on avait changé de coupe la dernière fois, fais voir un peu ce que ça donne. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'était dans quel jeu que je faisais ça aussi, que je changeais. Ah oui, c'était dans Nioh 2. Pour chaque DLC, en fait, je changeais un peu le personnage. Lâche-moi la grappe, toi. Pour chaque DLC, je changeais un peu le personnage. Genre, je rajoutais des cicatrices, la coupe de cheveux changée. Je la faisais un peu plus vieillir aussi. Ouais, je faisais ça. 280 de base avec l'âge, putain. Je faisais ça dans Nioh 2. C'était pas mal. J'aimais bien faire ça. Alors, chercher la source des bruits. Ok, on peut faire ça. Ah oui, on avait dit qu'on voulait voir si on pouvait faire ça directement. Genre, défier le spectre, là. C'est le plus proche. Ça a l'air d'être le plus proche. Ouais, comme ça, on se fait pas attaquer. Comme ça, on se fait plus attaquer du tout. Et comme ça, on n'en parle plus. Et j'ai même envie de dire, on pourrait peut-être aller chercher l'autre, aussi le dernier. Du coup, on a les 4 médailles, on pourrait ouvrir la porte. Ouais, non. Ça paraît pas mal, non? Ça paraît pas mal comme... comme idée. Je trouve. Attends, ça a vibré. Ok. Après, il faut voir si on peut y arriver. Hein. Forge des dieux. J'ai vu qu'il y avait un truc là-haut. Bon, après, c'est un peu bête de le fait que on vient de découvrir une zone apparemment importante et tout. Il y a la musique et tout. Mais bon, nous, on est juste là pour passer, quoi. On passe juste dans le coin. On n'est pas vraiment là pour visiter encore. Hop. Ah, je vois des flammes, je vois des bordels. C'est sombre, c'est super sombre. Ah, ça doit être celui-là en dessous. Ça doit être celui-là en dessous. Ah, nickel. Ça doit être ça. Let's go. Putain, par contre, je suis pas chaud hein, du tout. Hein. Donc...
C'est quoi les touches pour attaquer? Ok, c'est bon. Je suis pas chaud du tout. Allez, Ulysse, à nous deux. Non, pas encore, on a encore une petite énigme. Waouh, sérieux? Est-ce que je peux me mettre? Ah putain! Je vais me mettre sur le rebord pour attraper une caisse en fait. Comment tu veux que je les fasse, passer Ah attends. Je crois que je... Comme ça. Ça va, on a déjà, on a déjà perdu notre. Notre vie supplémentaire, c'est bien. C'est bon, ça marche, ça marche. On a déjà perdu notre vie supplémentaire, très très content. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. J'avais plus d'endurance, j'ai failli me reprendre des lasers. On est d'accord qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien d'autre à faire. C'est parti. On est full vie. Ramène ta fraise. Quelle belle esquive. J'aurais pu me booster à la potion que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ok. Okay.
T'as des problèmes, Ulysse? Yeah. Grâce à Phénix, les jours d'errance et de tourment d'Ulysse avaient enfin pris fin. Ça va, le combat était cool. Le combat était sympa. Celui que j'ai vraiment détesté. Putain, j'ai oublié le coup. Le rang que j'ai détesté, c'est Altalante là. L'archère là. Ah, elle était vraiment relou. Médaillon d'Ulysse. Ça va, ça a duré le temps de. Le temps des potions, quoi. Nickel. Nickel, nickel. Médaillon d'Ulysse orné du voile inachevé de Pénélope, un artifice qui a permis d'éconduire les prétendants jusqu'au retour de son époux Ulysse. On dit que rassembler quatre médaillons révèle une salle cachée. Ah, je suis curieux maintenant. Curieux maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, par contre, là on sait pas où il faut aller, mais alors il faudrait aller sur les terres, en fait, sur les nouvelles terres. Faut se faire attaquer au moins une fois et après on devrait avoir l'endroit. Donc je crois que c'est ce qu'on va faire. Comme ça, enfin, comme ça on sera plus embêté, même dans la prochaine journée, on sera plus embêté par les héros. Mais surtout je veux voir la récompense, quoi. Je suis devenu curieux en fait par rapport à la récompense. S'il faut, ça va être de la merde, mais... Comme d'hab, hein. Wow! Ah, putain, t'es chier. C'est parti. On vient de faire 8000. Nous allons laisser notre marque. Il est immense, inimitoyable, mais de demi-dieu m'arrêtera. Je veux pas dire, mais je crois qu'on a très, mais alors très très bien fait de garder pour l'épée. On est d'accord. Hein. On a très 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 très. Pas l'épée, putain, la hache. C'est ce que je voulais pas dire. On a très bien fait de garder ça pour la hache. Te salue. Ferons tout pour survivre. Nous qui allons mourir, ferons tous pour survivre. C'est pas ça le dicton. C'est ceux qui allons mourir te saluent.
Attends, pourquoi tu me fais cette musique? Non, on en a pas assez encore. Okay. Non, ouais, mais... Ah ouais, non, la hache, elle fait extrêmement mal. On a fait 8000 à un moment. Ça, c'était le triple dégât qui a... Là, marché, hein. Près des portes, au-dessus de la dévastation laissée par Typhon, Phoenix vit ce qui ressemblait à une main d'automate. Ouais, mais plus tard. On a fait 8000, puis après un moment on a fait l'attaque chargée, là, la nouvelle attaque que j'ai. Ça a été, c'était quoi, 1000 et quelques. Entre de la guerre. Dragon. Oh. Vous me faites chier. Pas là pour vous. Lieutenant Biarré. Ah. Attendez, je suis pas là pour vous, mais... Peut-être là pour toi. C'est dégueulasse ces machins. Dégueulasse. Nickel. Ça va, non? Le prochain qu'on rencontre, on n'utilise pas les potions, hein, parce que là... Le prochain qu'on rencontre, ce sera sans potions. Oh, machin, tu veux pas m'envoyer ton héros? Pendant que je suis encore boosté, parce qu'on est bien sur les, la nouvelle zone, hein. Ouais, on est bien dedans en plus. Alors, fais voir un peu. Ah, elle fait spell lunaire aussi rouge qu'une lune de sang. Ses ailes sont employées lors de certaines rites nocturnes. Ça tire. Oh, bah ça fait mieux peut-être à la limite. Il y a un peu de rouge, quoi. Il y a un peu de rouge sur notre équipement. Ce qu'il faut faire pour qu'on se fasse attaquer. Ben voilà. Tu deviendras tellement plus grande. Je vais te rendre parfaite. Spectre d'Héraclès vous traque. Super, super. Yeah.
l'air un peu relou. Ça. Ça a l'air un peu relou. Je vais faire un truc stylé, mais il a beaucoup de vie, du baron. Changer d'équipement. Si on rencontre des plantes à capturer comme ça, voilà. Autant en avoir un peu plus. Et il faut qu'on fasse notre coup indemne. Découverte du taf. C'est où? Pas être loin. Peut-être en haut, en bas. Non, c'est pas sur la montagne en tout cas, doit être en bas. C'est quoi ce bruit? Encore un truc légendaire à tuer. Yes, trouvé. C'est parti. Ça c'est marrant. Là on est. J'aime bien parce que c'est vrai que dans ce genre de. Les Dark Souls c'est un peu la même chose. C'est au début on lutte et tout ça. Puis après on a accumulé tellement d'âmes et tout qu'on. Enfin, pour nous, ces joueurs, on a monté de niveau et tout ça. Mais faut penser dans le... Genre, entre parenthèses, dans le lore du jeu. Genre, dans les Dark Souls, vous avez accumulé tellement d'âmes que vous êtes devenu très puissant. Et du coup, vous êtes devenu encore plus puissant que les... Genre, les soi-disant dieux qui existent et tout ça. Mais eux, en fait, ils ont fait pareil. Ils ont récupéré des âmes, ils ont tué des trucs. Excusez-moi, je bois un peu de café. Et là, en fait, c'est pareil. Dans Phoenix, dans un sens. C'est que... On est apprenti, champion. On n'est pas encore champion. Mais... C'est quoi le truc? Pourquoi ça déclenche? D'accord. On est apprenti champion. On a eu des bénédictions des dieux. Vous voyez, on fait des choses quoi. On avance, on évolue en fait.
avec l'aide des dieux et tout. On récupère des armes. Enfin voilà, quoi, je trouve ça marrant. Et après, il faut faire quoi en fait? Il faudrait... Hop, maintenant il n'y a plus rien qui... Ah, d'accord, ouais. Bon. Enfin, nous on s'en fout, on fait ça quoi. Donc c'est sympa de se dire ça. On est devenu aussi puissant que les héros. Que les héros champions altérés. Oh, cool. Comment... Le problème c'est comment je le récupère. Ah, comme ça, ok. Ça marche. Sympa, système. Faudrait faire pareil pour l'autre caisse, mais... Enfin, honnêtement, je peux voler là-bas et mettre un double. Il a loupé. J'aime bien ces temples, c'est stylé. C'est parti, on est full vie, let's go. Ramène-toi. J'aime bien le fait que le casque s'enlève quand elle rencontre la personne, puis après elle passe en mode combat. Héraclès. Et après le casque revient. Et en plus on fait pareil, si il fait une attaque chargée, on fait une attaque chargée. Vous voyez, on est très similaire en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces combats là. C'est pas le moment de faire de la gym. Là on est à 21, imaginez qu'on ait la... On a perdu. Qu'on ait la... L'armure là pour... J'étais bloqué dans mon animation. L'armure qui va augmenter les combos. J'arrête de faire des grosses attaques comme ça là, ça sert à rien. Loupé. J'essaye de le parer, mais j'ai pas trop le temps de comprendre son... De son pattern, mais il fait très mal par contre.
tiens. Adieu. L'affrontement entre Phénix et le puissant Héraclès, puis la libération du grand héros des griffes de l'infâme Typhon, allait donner lieu à de nombreux chants. Y avait très peu de mouvements qu'on pouvait bloquer lui par contre, j'ai remarqué. Il n'y avait que l'enchaînement là, qu'à un moment je l'ai bloqué. J'ai réussi à le faire. Il y a au moins 3 coups d'affilée, c'est tout, basta quoi. Après le reste c'est que des attaques rouges quoi. Ligne de buste. De buste. Ben voilà. Médaillon d'Héraclès. Ah. Perversion. Quoi? Perversion des chimères légendaires. Qu'est-ce qu'on fait? On la tente ou pas? J'ai pas. Ouais, on va qu'elle faire. On est à côté. J'aime. Après, je suis pas trop fan d'enchaîner les monstres légendaires comme ça là. Parce que ça fait un peu. Genre, on tue tous les boss, puis après, il n'y a plus rien à faire dans le jeu. Mais bon, on est juste à côté. Donc toi, par contre, t'as l'air d'être méchant. Ça va. Oh, tu tapes vite. Ah oh merde, c'est qu'une boule. L'oiseau, merci. C'est ça que je vais faire, mais... C'est le bouclier que je voulais faire. Phosphore des cieux de Zeus. Alors vas-y, on va savoir. T'as un truc qui est inutile pour nous parce que ça fait pas de la. De l'étourdissement. Alors, ralentissement du temps en cas d'atteinte avec l'attaque discrète lorsque l'utilisation de phosphore est active. Ah! Ralentissement du temps. Excusez-moi. Il est joli en tout cas. Super joli. Ça, c'est celui-là qu'on a acheté. Ralentissement du temps. Ça nous servira à quoi? Ça nous servira à quoi, ralentir le temps? Ah, enfin oui, j'imagine que d'accord, oui. Alors genre on s'infiltre derrière quelqu'un. On fait une attaque spéciale, enfin discrète là. Le temps ralentit, puis après on peut l'enchaîner le machin. Mais bon, nous on joue pas comme ça, nous on joue pour one shot en fait. Pourquoi on m'a demandé de venir ici par contre?
on en savait davantage sur les projets de Typhon, ouais, je pourrais contrer ce qu'il prépare. Je vais voir ça, c'est 8000. Là c'est 19000, ouais non, on va attendre. Non, non, en fait on m'a demandé là parce que je peux monter les armes, ça sert à rien sinon. Allez! Déjà, est-ce que j'ai lu le médaillon? Oui. Orné de la pointe de flèche enduite de poison utilisée par Héraclès pour tuer l'hydre, on dit que rassembler 4 médaillons révèle une salle cachée. Donc la salle cachée, on sait où elle est. Ah! Déverrouiller la crypte. C'est parti. On a vu. Donc c'est des... c'est un set d'armure. Je pense que c'est une vraie armure. Je pense pas que ce soit d'un skin. Je pense... Je sais pas, on va voir, on va voir. On va voir. Waouh, arrête! Censé mourir quoi. T'es pas mort. Ouais, non, mais... c'est juste là. Eh, fais-moi rêver, fais-moi rêver. Armé des 4 clés des héros tombés, Phénix put franchir la mystérieuse porte. Dans le tombeau des héros, Phénix sentit la présence de grands guerriers mortels d'autrefois, appelés sur l'île d'Or, afin d'affronter Typhon. Une belle brochette de vendu, Achille, le héros parmi tous les héros, était doté d'un orgueil immodéré, dont Typhon tira profit. Je ne peux pas regarder ce magnifique visage de traître! Non, attends, encore un petit peu. Atalante, chasseresse insatiable, à l'esprit aussi trempé que le corps. Mais cette reine de la hache s'égara, et cette distraction causa sa perte. Il ne resta plus qu'Héraclès. C'est bien, on a l'histoire de... l'un, cool. Modèle divinisé des prouesses et exploits masculins. L'autre, roi d'une intelligence sans égale. Ils luttèrent de toute leur force, mais la ruse de Typhon eut raison de la force d'Héraclès. Et Ulysse, démoralisé par son incapacité à triompher de Typhon, tomba comme les autres. Ils allaient longtemps souffrir sous l'emprise de Typhon, jusqu'à ce que Phénix les libère et nous surprenne tous. Pour l'instant. C'est vrai. Sympa de, d'avoir un peu plus d'histoire par rapport à eux sur comment ils se sont fait avoir et tout, sympa. Même si c'est court et tout, c'est cool. Oh merde. Et en théorie... ah, attendez, on va regarder. Ok, carte du monde indisponible, ça marche. Et en théorie, du coup, on est plus puissant qu'eux, du coup. Phénix monta en direction de la mystérieuse salle. Lieu où l'héroïsme acquiert l'éternité. Pour quelqu'un qui essaie désespérément de se détacher d'un rocher, tu aimes bien faire durer les choses. Ok, des fois c'est vraiment marrant. C'est les 4. Nous on peut avoir notre statue aussi.
On a défoncé les quatre. Hein. Donc en théorie, on est plus puissant que. Bon, après, c'était des versions spectre. Donc est-ce que. En théorie, ils sont plus puissants? Je dirais que oui. Enfin, quoique, ils se sont fait défoncer par Typhon. Hein. Un piédestal vide? Digne d'une héroïne. Ah, on va avoir notre statue, c'est ça? Ah. On va devenir une statue et on va mourir. Ouh la vache! Donc on est devenu un champion comme eux en fait. On est au même titre qu'eux du coup maintenant, je crois. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. On est un héros, officiellement. Il y a une différence entre héros et champion. C'est bien ça. Je n'en crois pas mes yeux. Je jure d'essayer d'en être digne. Armure de brillante divinité. Yeah. Et qu'est-ce que j'ai à tousser, moi? C'est pour ça qu'il y avait un piédestal vide. D'accord, maintenant je comprends. Plus nous, on est tout en or, on n'est pas en pierre. Ça doit coûter cher. Alors, fais-moi rêver. 28% des dégâts avec des pouvoirs divins. 40% d'étourdissement avec des pouvoirs divins. C'est quoi des pouvoirs divins? C'est les attaques spéciales. 70% de la vitesse de charge des pouvoirs divins. C'est quoi les pouvoirs divins? 4 supplémentaires à jeu de combo en cas d'atteinte avec pouvoir divin. Non, attends, pour tester, on va faire tout simple. Bah attends, déjà ça. Ok. Alors. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pouvoir divin. Alors. Alors, on va prendre 2 minutes, hein, le temps de voir un peu ce que ça peut devenir. Alors, nous on avait... Bon, pour le casque déjà. Le casque déjà, nous on a un effet de 3 fois en fait. Des dégâts ou alors de l'étourdissement. J'avoue que l'étourdissement, 25% de probabilité, c'est quand même beaucoup. On est au max avec les casques, on n'est pas au max. Donc s'il faut, ça va monter à 30%. Un peu abusé. Donc c'est assez puissant. Après, est-ce qu'on en a besoin maintenant? Parce qu'on fait quand même très mal en niveau étourdissement. Bon. Après, les dégâts triplés, ça c'est autre chose. On a fait du 9000 et quelques. C'est pas mal. Après, on avait ça. C'était sympa avec la santé complète et tout ça. Ça peut être intéressant. Étourdissement lorsque la santé est complète. Dégâts quand la santé est complète. Ça peut être pas mal. Après ça c'est dans les cryptes. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors par les niveaux de combo, mais ça bof. Faut maintenir le combo. La charge d'Athéna ça peut être intéressant. L'équipement indemne ça on n'en parle pas. On parle juste pour les combats. Maintenant on aurait ça. Non, pardon, ça. Donc 28% tout le temps sur les attaques divines. Ça va sûrement monter à 30 parce qu'il manque un cran. Je dirais. Donc on aura un bonus de 30% de dégâts. Donc en théorie, c'est mieux parce que triple dégâts, bon, on a que 20% à peu près pour que ça sorte. Donc à la limite, oui, c'est mieux. Et après, on a plus 40% d'étourdissement avec les pouvoirs divins.
Donc ça, c'est bien aussi, parce que par exemple, il y a les dégâts à la charge d'Athéna. Si on monte d'un cran, vu que c'est à 40%, je dirais que ça va monter à 50%. Donc tout ce qui est... Oui, tout ce qui est pouvoir divin vont faire beaucoup de... Ouais. C'est vrai que les pouvoirs divins commencent à être très puissants et c'est ce qu'on utilise pour augmenter l'étourdissement et tout ça. Et on commence à les spammer en fait. Que j'arrive à mieux gérer la jauge d'endurance, puis on a plein de potions aussi. Donc je commence à bien les spammer. On va remettre le skin de base. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant l'armure. Donc l'armure de combat, c'est toujours l'armure de base, hein, c'est-à-dire 300% de défense. Enfin, c'est la défense. Après, on avait dit qu'on voulait tester une autre armure. C'était celle-là. Non, attendez. D'abord, on va remettre les skins de base avant de changer. Comme ça, on sait ce qu'on fait. On avait ça. On avait... Donc, quand on tape, on récupère de la vie. Je pense que quand on sera au max, ça sera 10%. Genre 10% d'un fragment de santé quand on tape, honnêtement, c'est beaucoup. Pour récupérer de la vie. Et après, on a plus 3 à la jauge de combo. Quand la santé est complète, encore une fois. Ça, c'est un peu le problème. Par contre, elle est vraiment stylée. J'adore les effets d'éclair sur celle-là. Je sais pas ce que... Je sais pas pourquoi, mais j'adore l'effet tout autour. Super classe. Donc, ça pourrait être vachement intéressant. Alors, maintenant, on a ça de nouveau. Donc, la vitesse de charge des pouvoirs divins. J'avoue que, par exemple, pour le marteau, j'utilise que le marteau et j'ai pas pris les autres pouvoirs parce que les autres pouvoirs, ce sont des charges. Et la charge de pouvoir, c'est chiant. La charge de pouvoir, c'est chiant. Donc là, si on fait de la charge, genre à 100%, hein, ça va sûrement être 100% quand ça au max. Je dis pas non. Après, plus 4 supplémentaires à jeu de combo en cas d'atteinte avec pouvoir divin. Plus 4. Donc ça va sûrement monter peut-être à plus 10. Peut-être. On va dire, allez, on va dire plus 5 par exemple. Enfin, ouais, je pense pas que ça monte aussi haut que ça. On va dire plus 5. Genre, on a des aptitudes qui vont être vraiment intéressantes du coup. Genre... Je dirais ça. 4263 d'étourdissement. Et en fait, il faut faire la version chargée du coup. Et ça chargera extrêmement vite. Ça tape. Ça tape combien de fois? Parce que celle-là, je sais que ça tape plus de fois. Non, attendez. Non, c'était ça qu'on avait rajouté. Ok, c'est ça. 1400. Ouais, ça aussi, ça sera... Genre 4 fois, en fait, ça fera 4 combos de plus. Donc, ça fera 5 fois 4. On est d'accord? Parce que ça, une fois, ça compte comme un combo. Puis après, ça fait plus 4 dessus. Donc, ça fait 5 à chaque fois. Donc, ça ferait 4 fois 5. Ouais, ça pourrait être intéressant, en fait. Ça paraît. Est-ce que ça touche combien de fois? Portée dégâts. Parce que la charge d'Athéna, elle touche beaucoup de fois. À 5 reprises. Donc ça serait 5 x 5 par exemple. Ça pourrait être bien en fait. Non, je pense que... Je pense que l'armure se vaut... Du coup on va économiser tous les pièces d'Archéon là. D'Archon. 7300. Non, on va économiser. Ouais, ça va être notre nouvelle armure, je pense. Parce qu'on n'utilise que des pouvoirs divins. Enfin, à ce moment-là. Enfin, maintenant, on commence à utiliser que des pouvoirs divins. Il nous faut des ailes qui vont avec. Bah, les ailes de Dédale, quoi. Pour le piou-piou, qu'est-ce qu'on va mettre? On va garder... qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde l'étourdissement ou pas? On peut peut-être mettre autre chose maintenant. On fait tellement d'étourdissements, c'est peut-être plus vraiment nécessaire. Voilà, c'est peut-être plus vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, il y a
plus d'attaque, une orbe d'énergie, un fragment de santé en cas d'atteinte avec une attaque de phosphore. Ça, je sais pas. Ça veut dire que, genre, si une attaque égale un fragment de santé, donc si ça attaque trois fois, c'est trois fragments de santé, ou pas? Ou c'est une seule par attaque? Alors, explosion de clone, plus de dégâts. Le clone fort immobilise l'ennemi. Ouais. Moins 50% de consommation d'énergie au fil du temps. Avec occultation. Non. Ralentissement du temps en cas d'atteinte. Peut-être qu'on peut tester ça. Phosphore des cieux de Zeus. Ça a l'air vraiment très haut niveau. Et puis ça, puis il est stylé. On peut peut-être tester comme ça. Je pense qu'on va rester avec le Pégase là, le Pégase Wannabe. Ouais, je crois que ça va être notre équipement. Pour ce qui est de l'épée, on va rester avec ce qu'on a là parce que ça va très bien. Après, avec le skin par contre. Le skin, on a la hache rouge. Ouais, mais on est en or et argent, ça va pas très bien. On peut rester comme ça. On se remet un peu... Ouais, ça fait un peu banal du coup, mais ça va bien ensemble en fait. Ça fait un bon set quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La flèche, on garde celle-là parce qu'elle est vraiment bien. Arc ailé, tir précis, Ulysse. Non, tout va bien, enfin, c'est la même couleur, c'est le même bleu, c'est la même teinte de bleu, c'est la même teinte d'or, c'est la même teinte d'argent sur les armes et tout. Donc, c'est ça. Par contre, après, celle-là, on pourrait mettre ça aussi, puisque ça va bien ensemble, les deux sont les mêmes. Donc j'ai envie de dire, ça se vaut. Mais bon, ce skin-là, on l'a mérité. Donc bon. Bon, je crois que ça va être notre nouvel équipement pour combattre. Je pense que ce sera notre nouvel équipement. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Et ça sera notre équipement pour se balader. Un dégât triplé. Étourdissement. Ce qui est bien aussi, étourdissement. Bon, les flèches étourdissement, c'est cool. Mais c'est de figer l'ennemi. C'est vrai que ça aide, même sur les boss. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Vitesse de charge. 50% de défense dans les airs. Ça, oui, mais bon, il faudrait combattre des trucs qui sont tout le temps dans les airs. Reconstitution 80% d'infraction d'air, on a un tir à la tête. Non, il n'y a pas mieux que... Honnêtement, il n'y a pas mieux que ça pour le moment. Voilà. On va rentrer au camp. On va voir un peu ce qu'on a récupéré. Parce qu'on a, fini des missions, du coup. Ouais, honnêtement, là, c'est bon. Là, on a vraiment un équipement qui va rester, je crois. C'est qu'on n'a pas... gagner en dégâts. Enfin si, on a gagné. Les attaques divines vont faire plus de dégâts. Du coup, on va spammer les attaques divines. C'est vraiment ça. Notre... J'ai des choses à vendre. C'est vraiment ça, en fait. De toute façon, c'est ce qui fait le plus de dégâts à chaque fois. C'est ce qui fait le plus de dégâts, c'est les attaques... divine. Épée de course. Par contre, le seul truc qui est embêtant, c'est que on n'aura plus les dégâts d'étourdissement triplés. Bon. On peut faire ça. Enfin, une chance de faire ça. Les combos aériens à l'épée, si plus 30 de jeu de combat, plus du supplémentaire jeu de combo pour coup porté avec la projection à l'épée. Ouais, joli ça là.
projection à l'épée, c'est quoi sa projection à l'épée? C'est l'attaque... C'est ça? Attaque sprintée. Ah non, c'est ça. faut que je le fasse, quoi. Faudrait que je le fasse. Projection à l'épée. Je sais pas si ça vaut le coup de changer d'épée en fait. Enfin les 30 de combo, je pense que ça c'est un truc que j'arrive à faire seulement quand je suis à 1 contre 1 contre un boss et encore. Après faudrait spammer cette attaque du coup, c'est pas trop mon kiff. Je pense qu'on va rester avec ça. Pour la hache, est-ce qu'on a une hache qui fait pas... Tiens, celle-là j'ai pas... Ah oui non mais c'est vrai que celle-là, c'est celle-là qui est améliorée. Ça c'est pas mal, hein. Plus 7 supplémentaires à jeu de combo pour les parades. C'est bien, mais bon. Faut que ça marche aussi. Non, c'est très bien comme ça. Pièce de Caronne. Si on en savait davantage sur les projets de Typhon, je pourrais contrer ce qu'il prépare. On est devenu un dieu, hein. Tu te rappelles? Enfin non, pas un dieu, enfin on sait rien, un champion, un héros. Mais tout le monde s'en fout, quoi. Tout le monde s'en branle. Ça, il nous faut ça. Parce qu'on va avoir... Ah non, non, on va peut-être faire ça d'abord. On va peut-être économiser pour la défense. Parce que maintenant, on n'a plus de défense bonus, par contre. Ah... Voilà. C'est parce qu'il y avait la conversation de l'autre. On va plus avoir la défense de l'armure, donc on va se prendre des putains de baves de fou. Qualité de potion name accrue. Ok, je crois que le jeu il fait n'importe quoi. Tu as envie d'acheter ? On va se prendre des très très grosses baffes. Donc on va devoir rester en potion tout le temps, quoi. Quand on combat des boss. On avait dit qu'on voulait attendre pour ça. 770. Il faut 5000 ici. Et ici, il me faut 8000. Non, non, j'avais dit qu'on voulait attendre pour les casques. Non, non, c'est pas les casques que je veux attendre, c'est ça. Comme ça, on débloque les chocs. 80%, yes. Ça, c'est bien ça. Donc, on a 5000. Là, il nous faut 8000. Bah, du coup, on peut prendre les deux. Ou alors on prend les arcs. Non, non, non. Non, mais on n'a qu'à prendre les deux. Enfin, quand... Vous avez compris. Vas-y, go. 134, très bien. Et là, on a encore plus 5000 et il nous faut juste du violet, quoi. Il nous faut juste du violet. Alors, c'est reparti. Alors là, c'est l'histoire principale. Alors, on n'a qu'à faire un peu l'histoire principale. On n'a qu'à aller voir un peu ce qui se trame. Ah, je suis content de l'armure, ça c'est cool. Là, elle nous a mis d'accord, là. Il n'y avait pas vraiment à trop réfléchir. Après, comme j'ai dit, l'armure bleue avait l'air pas mal. Hein, le fait de, quand on est full vie, on récupère plus de combos et tout. Ça a l'air pas mal, mais bon, ça va pas... Là, avec les pouvoirs divins, c'est quand même mieux. D'avoir personne. Ah,
Rien qui parle. Très bien. Maintenant, peut-être un joli sourire ici. C'est un robot. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, rien. Rien du tout. Enfin, quelque chose. Une chose. Je m'appelle Phoenix. Qu'est-ce que tu es ? Oh, un dialogue ? Avec moi ? Allez, on s'est préparé. Pas de panique. Qui sommes-nous tous, au fond ? Nous sommes le reflet de nos actes. Et moi, je fais de l'art. Je suis donc un artiste. Tu aimes cet art ? Alors, tu es une matrice. Je suis une guerrière. Ou la sœur d'un guerrier. Donc, proche d'un guerrier. En tout cas, je suis là pour arrêter Typhon. C'est logique. Ne le prends pas mal, mais tu ne ressembles pas à une amatrice d'art. Mais ceci t'illuminera peut-être. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as besoin de tes crochets ? Oh, c'est quoi ça ? Une petite boîte ? Quoi ? Non, ça c'est ma période artistique précédente. Je l'ai signée d'ailleurs. Garde-la, ça me fait plaisir. Je n'y comprends rien. Tu es un sculpteur. J'ai escaladé ta statue. Tu es Héphaïstos, c'est ça ? Je suis tellement heureuse de te rencontrer. Non, pas celle-là. D'accord, très bien. Oui, c'est parfait. J'en ai d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une essence. C'est son essence. Du sans-plomb aussi. Nous devons retrouver ton essence pour avoir une chance contre Typhon. Bah c'était pas ça ? Non. Confusion ou extase ? Confusion. Non, c'est ma tête. Comment peux-tu faire de l'art à un moment pareil ? Tu ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que j'ignore. Typhon, le monde entier a été pétrifié. Les dieux ont perdu leur essence. Il y a des monstres partout. C'est la fin du monde. Ça ne te dit vraiment rien ? Pourquoi s'intéresser au passé quand on peut façonner l'avenir ? Tu le façonnerais plus facilement avec des mains. C'est Typhon qui te les a prises, c'est ça ? Il te les a arrachés, torturés encore et encore. Quelque chose comme ça. Tu ferais mieux de t'asseoir tranquillement avec ce Typhon, de discuter avec lui. Et non, mes mains en avaient assez de faire de l'art. Et elles sont parties. Elles n'ont pas pu aller loin. Et qui sait ? Peut-être que les retrouver te bousculera la mémoire. Prépare-toi à applaudir quand je reviendrai. Plutôt que de réfléchir à une sculpture, je pourrais sculpter un homme qui réfléchit. Très bizarre ce bordel. Très très bizarre. Alors, c'est quoi ? C'est censé être un cadeau, mais il n'y a qu'une fiole vide à l'intérieur. Ah, ça, c'est une critique subtile du consumérisme. Ah, donc d'accord, c'est une. C'est une fiole de son. De son essence. Phoenix trouve un hôtel à la Goarde. Mais c'est vide. Visiblement réalisé avec amour. Yo. Je me demande qui a laissé cette offrande. Ben sûrement lui. Un marteau. Aventurier, j'ai laissé mon marteau dans le centre d'un. Je suis plutôt un destructeur d'un volcan. À mon arrivée ici, il y avait de la peinture rouge répandue partout. Enfin, je crois que c'était de la peinture. Ouais, c'était peut-être pas de la peinture, gros. Donc c'était sûrement pas de la peinture. Alors, on fait voir. Donc là, on a la harpe. Donc là, on a l'histoire. Ok. Vous voulez quoi ? Qu'on se concentre un peu sur l'histoire ?
Ah, on va un peu se balader vers l'histoire. On va aller vers l'histoire. Allez, allez, on va faire un peu histoire. On a combattu déjà 3 boss là. On a déjà combattu 3 boss, donc on peut un peu se faire de l'histoire. Après, on ira se balader. Ça qui est bien de plus se faire attaquer par les... les héros, là, dans les nouvelles zones. Oh, cet endroit ressemble à un champ de bataille. Ou à un cimetière. Je suis assez d'accord, du moins. Bon, on descend. On n'a qu'à descendre. Zone de quête. Ah, fais voir un peu les dégâts vu qu'on a augmenté les... l'OP. 100 déconner, ça augmente autant. C'est un peu abusé en fait le. Je t'en prie, ne le ramène pas. Quoi ? J'aime bien parce qu'ils esquivent par erreur en fait. C'est bon. Par contre, c'est marrant parce qu'on commence un peu à voir par quoi est géré les dégâts. Genre, le contre en lui-même, on le fait avec l'épée. On le fait avec l'épée, donc c'est géré par les dégâts de l'épée. Genre tous les projectiles qu'on renvoie, les trucs comme ça et tout ça. Et l'attaque sournoise, là, pareil, elle est gérée par l'épée. C'est bien fait, en fait. C'est vraiment bien pensé, je trouve. Je vais voir un peu. Hey, pratique. Donc c'est vrai qu'à la limite, si on monte... l'épée, on peut avoir un meilleur moment avec ça, tout ce qui est attaque sournoise, contre, enfin pour projectile en tout cas. On va monter par là. J'ai l'impression qu'on est aussi puissant et devenu aussi méchant dans un sens que Jet Li dans La Momie, le troisième film. Le cas que personne n'aime apparemment. Mais bon, moi, il y a Jet Li dedans, j'aime beaucoup.
Il faisait l'empereur de Chine. Je sais plus le nom, mais voilà. Un empereur de Chine méchant. On a des lasers partout. Tu m'as touché, saloperie. Alors, pourquoi on a une boîte? On a un coffre. Faut faire à chaque fois des énigmes et faut bloquer avec la boîte, faut bloquer le laser avec la boîte, j'imagine. Enfin, je vois que ça. Je vais voir un peu. Qu'est-ce que je fasse là? Ah si, c'est ça, ça doit être ça. Faut juste marcher dessus en fait. Ordre. Attends, j'ai pas pris toutes les trucs apparemment. Il y a un ordre. Ou alors pas tous. Il y a un feu. Ah, un. Ok, ça, j'ai compris. Deux feux, voilà. Il est où l'autre? Il est là-bas. J'aime bien parce qu'il suffit juste de regarder un peu et d'être attentif. Ok, celui-là, il n'y a pas de feu, par contre. Mais bon, il n'y en a pas d'autres. Ils partent. Voilà. Et le dernier, c'est celui-là. 4 feux. Il nous manque plus que des armes. Genre des armes super puissantes. Des armes super puissantes pour nous, ça serait un peu comme l'armure. Ça serait genre... augmentation de trucs divins. Fabriquée en métal et décorée, cette main a été réalisée avec tant de soin qu'elle paraît presque vivante. Évident que cette main métallique a été forgée par un mec. Genre augmente les attaques divines, fait plus de combos, des trucs comme ça en fait. C'est quoi? Trouver un indice maintenant au trésor de Dédale, vas-y. On n'est pas loin.
Oh la vache, c'est pas ça que je vais faire. Ok. Merde, qu'est-ce que je fais ? Très mal joué, je fais de la merde. J'ai essayé de faire quoi? Ouais, j'ai paré, mais j'ai pas contre-attaqué. Non. Je sais pas. Mon cerveau qui a voulu fonctionner. Merci. Mon cerveau qui a bugué. Je crois qu'on a vraiment une chance contre Typhon. Ah ouais. Qui est de mon avis? Non. Il va y avoir un combat ici ou pas? Non. Oh merde. T'as vu ce qui est arrivé à ton pote? Viens pas. Fallait pas venir. Il y a du monde à droite. Le temps ralentit là, je suis sûr, je pense que avec le phosphore qui ralentit le temps, ça doit être la même chose, même système. Ouais, d'accord. C'est pas ça le truc de Dédale quand même, si? C'est un peu pourri. Qui c'est ça? Non, c'est pas ça. Ce n'est point ça. Non, ça doit être là ou là, là-bas. Ouais, c'est ça. Alors. Phosphore, je vois quelque chose. Ah, il est stylé quand même. L'indice. Où es-tu, Hermès? Montre-toi. Ou alors as-tu envoyé cette mortelle se battre à ta place? Eh bien, qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce connard ce mec. Lieutenant Griffon Divin. Est-ce que tu vas descendre ou pas?
Ce serait marrant que j'arrive à le bloquer et après on arrive à le charger quand il est confus. Là on serait proche du one shot peut-être. Mais faut pas lui faire de dégâts. Mais je sais pas si on lui a fait des dégâts ou pas là déjà. Je me suis loupé. Ah putain. Je me suis très loupé. Bon, ça commence à me gaver. Bon, ça m'a saoulé. Ah, quoi que, attends. Non. Ok. 10 000. Oh merde. Ça va, ça a pas... On lui a fait un 10 000. Près du sanctuaire de la guerrière suprême, il y a une décision à prendre. Le trésor n'en fait qu'à sa tête et celle-ci n'est pas non plus la bonne direction. Ça valait le coup d'utiliser. Une clé. Ça valait le coup d'utiliser. Phosphore, le ciel soit loué, tu n'as rien. Il dit que tu as laissé le griffon s'en aller. Ce qui, à mon humble avis, est une bonne chose. On pourrait croire que se faire transporter dans les airs par un griffon est merveilleux, mais laisse-moi te dire que c'est faux. En plus, je suis allergique aux chats. Eh bien, toute aventure est bonne à prendre. La vie est un apprentissage. Oh, oh, joli. Il a dit, tu fais une bien piètre guerrière. Comment trouves-tu cet oiseau à présent? Je m'habitue. Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome? Le nom de la maison du voisin. Il avait tout le temps de nouveaux fils, alors il ajoutait des pièces. Mais comme ils sont tous morts d'une épidémie, c'est devenu une auberge appelée Rome en souvenir du fils aîné. Puisses-tu le mener à Caron? Oh, mais c'est fait depuis longtemps. Et comme il n'avait pas de monnaie, Cerbère l'a dévoré. Rome, Rome, Rome. Drôle, non? Trop drôle. Œil d'aigle. Bon, ça fait peut-être un tout petit peu chier quand même de... d'avoir balancé une potion. Ah non, ça valait le coup. Ça valait le coup juste pour voir un 10K. Juste pour voir un 10K de dégâts. Près du sanctuaire de la guerrière suprême, il y a une décision à prendre. Le trésor n'en fait qu'à sa tête et celle-ci n'est pas non plus la bonne direction. Une étrange clé trouvée à côté d'un message de Dédale. Alors, on va voir un peu. Bien qu'il vole peu lui-même, ses ailes dédiées au père des dieux peuvent... emmener leur porteur au sommet de l'Ola. Elle de Zeus. Ah. Boing. Voilà, là c'est sympa là. Là c'est beau là, là c'est classe. Du coup, j'ai envie de continuer ça pour moi. Trouver l'indice. Après, alors est-ce que c'est parce que on est blindé en potion, enfin on est boosté à la potion d'attaque pour le moment et elle est pleine, hein? Oui, peut-être aussi. C'est pour ça que j'ai envie de continuer. Oula, elle sort tout droit des enfers, cette bestiole. Comment elle a fait pour atterrir ici?
Tiens, 11 000. Vas-y, casse-toi. Ce qui est bien, c'est que je crois que c'est une des... Comment ça s'appelle ? Des bénédictions, là. Qui nous protège. Ah, mais il y a un puzzle. Oh, moi, je voulais un combat, moi. Tu as fait cela en cherchant l'indice, n'est-ce pas, Phosphore ? La beauté de la violence est la poignée dorée habillant la lame du couteau. Quoi ? J'ai entendu ça un jour. Ça veut dire quoi ? Ces pauvres maisons. Même lui, il a pas compris. Tu peux me trouver faible, mais j'essaie de vivre pour autre chose que mon orgueil. Peux-tu en dire autant ? Yeah, allez, combat. Wow. Là où vivent les ours sauvages, reposent les richesses du roi Kokalos. Attendant de devenir des temples et des jardins, réchauffés par le sang de mon cœur et mes cascades de larmes. Prononce le nom de mon aimé en tournant la clé et tu pourras entrer dans ma salle au trésor. Ah. C'est... Quoi ? C'est qui son aimé ? Oui, je vois pas. Oui, enfin, ça sert un peu à rien dans un sens de. T'as le message maintenant, on s'en fout de la tablette. Donc. Par contre, là, il y a un truc aussi. Ah, c'est aussi une boîte. D'accord. On pouvait aller à droite ou à gauche, c'est ça? Bon, ben... Ouais. On va continuer l'histoire de Dédale, là, vu qu'on est parti là-dedans. Nos vieux sauvages, dans le devenir un temple de jardin. On va continuer ça. Je voulais du combat, moi, parce que j'avais la potion, mais en fait... maintenant... quoi. Rejoindre la salle du trésor. Ouh, on va avoir un nouveau phosphore. On n'aurait pas pu faire mieux en fait avec le griffon, je suis en train de me dire. On aurait fait plus de dégâts, je vois pas trop comment faire plus de dégâts. Oui, j'étais en train de dire l'effet de la bénédiction là, elle dure indéfiniment là, et avec les feuilles et tout ça, c'est vraiment cool. Est-ce que ça s'estompe quand la potion s'estompe par contre? En théorie, ça devrait pas. Enfin, dans ma logique. Ah non, si, ça sent. Putain, c'est stylé ici. Ah, les potions, elles durent longtemps. Hein. Je crois qu'on avait une armure qui augmente le temps des potions, non? Mais bon, on a mieux maintenant, mais c'est pour dire quoi. Ah, mais c'est pour ça qu'on pouvait pas rentrer. C'est celle-là, d'autres maisons. D'accord. Prononce le nom de mon aimé en tournant la clé. Ton fils. Icar. Ouais. Oh non. Oh non. Le trésor. Il est tombé dans le tartare. Oh. Eh bien,
On aura fait une belle balade, hein, Phosphore? Ah, j'ai pas de pain pour le tartare. Oh non. Hop là. Trésor de Dédale. Que des... Attends, il y a combien de coffres? Ok, un seul. Il y a que des puzzles. Ok, pour le moment ça a l'air d'être assez simple. Ah, ça y est, j'ai compris la connerie. Il y a des lasers partout. Si je fais ça... Elle est où la boîte? Il manque une boîte. Parce que là, à chaque fois, il y a les 4 lasers allumés. Manque une boîte. J'ai cru que j'allais tomber dans le trou. Mais d'accord, on peut pas en avoir deux. Bah là, à part avoir une boîte solide, je vois pas trop comment on peut avancer. Hein. On peut en avoir une quelque part qui traîne. Parce que là, il y a tous les lasers qui sont activés à chaque fois. À moins qu'il y ait des lasers qui soient pas en plein milieu. Genre on peut juste passer un peu la boîte sur le côté. M'étonnerait, hein. Oh! Ok, si on active les deux... Ah, il n'y a que deux paires de lasers en fait qui peuvent être activés, j'imagine. Non, non, non. En fait, c'est ceux du centre, ils ne s'activent pas pour... Je sais pas quelle raison. Bah. Bon. Bon, bon, bon. Bah, c'est fait, c'est bien. Oh! Cost music. Oh, il y a un truc à combattre. Phosphore, attends! Ah, saloperie. Qu'est-ce qu'il y a? Il attend que tu lui donnes des coups de fouet parce qu'il a échoué. Ah. J'ai cru qu'il ne le demanderait jamais. Quoi? Mais non! Personne ne mérite d'être torturé pour une erreur. Vis, apprends et applique-toi davantage la fois suivante. Mais je n'ai pas été parfait. Personne n'est parfait. Je t'aime bien quand même, Phosphore. Non, oh, Burke. Alors, carton, enfin bois plutôt.
devoir bloquer des lasers. Ah oui, attends. C'est assez lourd ça? C'est assez lourd. Ça va pas le détruire? Ça va pas activer les lasers derrière? Non, bah bleu. On va voir. Putain, mais j'arrive pas à la placer quoi. Ok. Donc faire ça, ça va activer le laser derrière. Ah, ici! Oh! D'accord, je capte. Ah, la putain. Quoi? Mais merde. Ah, voilà. Ouais, faut protéger, en fait. Bon, ça va, c'est bien. On a perdu encore notre vie supplémentaire. Ça fait plaisir. On est full vie, ouais. Bah oui, maintenant, on est full vie. Lol. Ah, y'a personne ou quoi? Bon. S'il y a personne. Le voilà! Le trésor! Quelqu'un a dit trésor? Regarde ça! On a réussi! Phosphore et moi, à ça on fait la paire. Emportons-le et filons d'ici! Merci de ton aide. Cela a été un honneur de combattre à tes côtés. Ah, Griffon. Fuis, Phoenix! C'est un piège! Qu'as-tu fait, mon petit oiseau de feu? Nous avions un plan! Je te foudroyais pour que tu tires avantage de leur gentillesse! Exploite leur faiblesse et me ramène le voleur! Mais à la place, tu décides de les aider? Tu m'as beaucoup déçu. Disparaissez dans l'oubli, tous les deux. Parti. Oh oh oh. Ah, mais il a moitié de sa vie, puisqu'on l'a défoncé, ça tue. Bah du coup, je peux changer d'équipement. Ah, j'ai pas bloqué. Oh. Ah oui, on voulait tester ça. Ah, mais je l'ai pas changé. Attends, c'est qui que j'ai la phosphore?
Ralentissement du temps en cas d'atteinte avec l'attaque discrète. Ah mais non, putain, mais c'est con. C'est l'attaque discrète, désolé, je fais de la merde. Je pensais que ça ralentissait le temps normalement, c'est pas l'attaque discrète. Du coup, on remet l'étourdissement. Immobiliser l'ennemi. Ouais, on a qu'à remettre ça, quoi. Je suis en train de me dire, attends, celui-là c'est. C'est lequel qu'on a acheté? C'est les mêmes? Ah non, non, c'est pas le même. Pas la même couleur en tout cas. Ouais, c'est un peu l'arnaque ça. Je crois qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau en fait. Ils ont juste le pelage différent. Ah voilà, là, là, ça fait de l'étourdissement. Bon, on a gavé. Tu nous as sauvés. Bah, ouais, vite fait quoi. En pratique, Phospho nous a aussi presque tués. Il a fait ce qu'il fallait à la fin. Et c'est tout ce qui compte. Ouais, l'étourdissement est pas mal. Tu as abandonné le trésor en t'enfuyant. Il est pour moi. Oh, vous êtes pénibles tous les deux avec votre honneur à l'ancienne. Franchement, je préfère partir. Alors, on a la classe dans la cinématique avec notre armure de héros. Tiens, Phosphore, prends la graine. Tu as remboursé ta dette. Tu es libre. Tu veux rester ? Avec moi ? Là. Eh bien alors, viens. Et je te fais mes excuses à l'avance pour ma compassion, mes actes charitables et mes histoires longues et compliquées. Non, c'est trop tard maintenant. Tu es coincé avec moi. Peut-être que cette version de Phosphore sera mieux. Qu'est-ce qu'elles sont? Elle est bien notre armure. Dette acquittée. Phosphore de cendre ardente. Je sens qu'on va être obligé de l'utiliser, même si c'est pas trop les Eldikar. Cool. Même si c'est pas trop la joie, j'imagine. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Plus 150 de dégâts avec l'attaque de Phosphore. La merde. Le feu ne meurt que lorsque s'éteint sa dernière braise. Le Phosphore tient à garder le feu allumé. Bof. J'aime pas trop le fait qu'il soit tout noir comme ça. Ah, il a des flammes noires. T'es où, Phosphore? Qu'on te regarde un peu. Ça va pas trop avec notre équipement, j'avoue. Avec la couleur dieu divin, tout ça. À la limite, faudrait remettre ça. Le visiteur inconnu, j'avoue. Niveau skin, hein, pour que ça aille ensemble. Après, on a les ailes noires. Deda a fabriqué ses ailes en hommage à son cher fils Icar, dans l'espoir de le revoir un jour.
pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est ça que je vais faire, ça. Puis on voit les ailes. Oh, allez, vas-y, on va rester comme ça. C'est surtout parce que c'est difficile à avoir en fait. C'est pas un truc que tout le monde a. Il faut voir un peu les dégâts. Ah, oui, oui, oui. On va dire que si ça fait autant de dégâts, j'avoue que. Et là, on continue avec l'occultation. Si ça fait autant de dégâts, j'avoue qu'on pourrait, on pourrait garder ça. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est quoi ça? Méduse l'impérieuse. On l'a déjà fait, non? On va aller voir, il nous reste encore un peu de temps, on va aller voir. Ah mais c'est... Ouais, c'est la tâche à faire là. Je pense que c'est... Peut-être qu'elle revient en fait, pour gagner des points. Je voudrais... Non, pas ça, ça. Coffre là. Pile en dessous de nous. Ah, il est juste en dessous, je crois, je vois des monstres. Ok, donc il faudrait des rochers là-haut. Ça one shot maintenant ou pas? Non, presque. Wow, 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 doucement. Je l'ai loupé. Quelle merde. Quelle sale pute. Pas le top du top. Mais... On va dire que les autres m'ont fait chier en fait. Les ninjas là. Ah putain, casse-toi le machin. Non mais... Cool. Ah oui, elle est revenue. Il y a les éclairs et tout. Je sais pas pourquoi je fais ça. Monte. Ah putain. Vous allez tous payer votre stupidité. Ah
Ah, vous me faites chier, je dois aller tuer Médusa là. Ah bah voilà. Oh merde. Il faut que tu ailles voir l'oracle. Pourquoi ? Je vois des étoiles. Tu vois des étoiles ? Ok, ça marche. Ah, on prend quand même plus cher. Hein. Bon, après, on fait plus mal, mais... J'avoue que je les ressens, hein, la différence. Merde. Nickel. Je ressens quand même la différence. Ah, cache. Putain, d'accord. Un peu de temps en fait à se déclencher. Léo, mon cheval. $246 de dégâts. Désolé, je vais prendre un screenshot parce que j'aime bien être overpower parce que je suis intelligent, vous voyez. Que je suis bon en jeu vidéo, donc. Et on n'a même pas mis de potion pour augmenter les dégâts. Ça va? Et à 7-5. Ah, elle est en pierre en fait, là on peut rien faire. Ouais, quand elle est en pierre, elle est immunisée, c'est sympa. Hein. Des trucs que j'avais pas fait attention, quoi. C'est bon, on l'a eu. J'ai pas l'impression qu'on gagne beaucoup plus de... Ah mais non, mais on l'a pas débloqué encore. J'ai un. Yeah.
Bien joué. J'allais dire, on gagne pas plus de combos en fait, mais c'est normal. Ah du coup, ah mais c'est pour ça qu'elle risque qu'elle prenait aucun dégât des fois. C'est là elle va rien prendre. Ouais, parce qu'elle est en pierre. Ah ok. Elle est encore en pierre là ou pas? Non. Tellement d'effets. Oh merde. Oh merde. Ah. Voilà. Non, oh, elle n'a plus le bonus d'attaque. Nickel. Nickel, nickel. On va s'arrêter là. Bah ça s'est bien passé, ouais, nouvelle armure, ça va. Ouais, il nous faut absolument le niveau 4 des armures, ça va être pas mal après. Fais voir si on a... Non, on n'a pas de vie, on n'a pas ça, ouais, on n'a rien. Et on n'a pas les armures aussi, je viens de voir, on n'a pas assez. Il nous manque quoi? On n'a pas trouvé de violet en fait, tout simplement. On n'a tout simplement pas trouvé de violet. 5000. On peut faire les arcs. Quoique, je préférais économiser pour ça en fait. Je préférais économiser pour les épées quand même. Ouais. Par contre, on a fait ça. Pente électrum. Qu'est-ce que ce sera, Phoenix? Bah rien du tout. On va pas acheter ça, ça sert à rien. On va économiser pour le reste. On a 4 pièces, ça sert à rien. Bon bah voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Et on se... Vu qu'on a fait ça... Prochaine fois, on continue la contrée de la forge, je pense. On va rapporter les mains à l'automate, c'est quoi ça? Rejoindre le portail. Abrité d'un nombre de dieux, certains refusent aujourd'hui d'y revenir, toujours malicieux. Hermès refuse que ce soit ainsi, mais Phoenix défie de découvrir l'identité de ce qui sera après une sinécure. Ok. Lire les inscriptions dans le temple d'Hélios. Mystérieuse devinette écrite dans le temple d'Hélios incite une coûteuse à le rêver. Ouais.
Ouais, on se concentrera sur l'histoire principale. On fera ça après, là. On fera un peu l'histoire principale, puis après on fera un peu tout ce qu'il y a autour, aussi, comme d'habitude. Pour augmenter notre puissance. Mais ouais, on est très puissant, là, ça, c'est cool. C'est très très cool. Ah, les potions. On va se remettre des potions, vite fait. Avant que j'oublie, comme ça on n'aura pas besoin de le faire la prochaine fois. On est à 17. Économise pour la défense. Bon, ça va. On peut commencer à utiliser un peu les potions de d'attaque un peu plus souvent. De défense, on va essayer de faire 100. D'attaque, oui. Mais encore une fois, j'avoue que le fait d'avoir moins de défense, on le ressent. Hein, parce qu'à chaque fois que je me prends une baffe, il y a 5 barres qui partent. Hein. Donc c'est un peu le problème. Mais ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais il y a quand même 5 barres qui partent. Voilà. C'est ce que je m'obstine à expliquer. À la prochaine. Ciao, ciao.